اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc une sœur dit, je fais partie d'une association caritative pour nos frères et sœurs palestiniens dont je parraine. Chaque mois j'envoie une somme d'argent. Cela est-il permis et rentre-t-elle dans les conditions de la zakat? Barakallahu fikoum. Et voici Elem, il va s'amuser alors. Tfadal Fawzi, tfadal Cheikh. Nam, Barak Allahou fik de répéter la question, j'entendais pas, j'étais en train d'écrire, tfadal. Non, cher, même moi, il me raide. Il est sans pitié. Donc, c'est la question d'une sœur qui dit, je fais partie d'une association caritative pour nos frères et sœurs palestiniens dont je parraine. Chaque mois, j'envoie une somme d'argent. Cela est-il permis? Et rentre-t-elle dans les conditions de la zakat? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Ne rentre pas dans la zakat d'envoyer comme ça, il y a des associations, etc. Ça rentre dans la zakat si la personne fait partie des 8 qu'Allah Ta'ala a cités. Comme le voyageur, c'est-à-dire qui tombe en panne, comme l'endetté, comme le miskin, le pauvre, le démuni. Et comme ça, celui qui veut rentrer, et comme ça. Sinon, et celui qui ramène travail pour la zakat. Yani, on ne peut pas choisir nous qui on veut. La preuve, la mosquée. Est-ce qu'il y a une la mosquée? La mosquée, c'est pour qui? Pour Allah Ta'ala. Si on va la construire, c'est pour Allah. Est-ce que c'est permis de donner la zakat à la mosquée? De dire, voilà, ils sont en train de construire une mosquée, donc je leur donne la zakat. Et pourtant, Allah Ta'ala a dit dans le verset de la zakat, il a dit, wa fi sabilillah, c'est-à-dire vous donnez aussi fi sabilillah. Et pourtant les savants ont dit, la mosquée ne rentre pas fi sabilillah. Rentre fi sabilillah, le fait d'aller au djihad, ou bien de payer à quelqu'un le voyage pour aller au djihad, ou bien de lui acheter des armes, et ça rentre aussi le djihad de la science, acheter des livres de sciences religieuses à un talibouin pour qu'il apprenne sa religion, lui acheter le Coran et comme ça, et les livres. Ou bien le Hajj, ça c'est fisabilla. Mais que tu donnes à une association, je ne sais qui, tu dis ça. Ensuite, bon, c'est pas peine de dire cette chose, parce que ça risque d'être qu'elle soit comprise à l'envers. Je voulais juste dire que les associations, nam, yani, à part celle des mosquées, parce qu'elles sont obligatoires. Sinon, on ne te laisse pas construire ta mosquée s'il n'y a pas d'association en France, ou la loi française. Sinon, les associations en général, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter, surtout d'y travailler. Surtout d'y travailler. Tu es sûr que cette association, que si tu lui donnes l'argent, elle va le faire arriver, fisabilillah, à bon port, etc. Mais allez, tu connais les gens, tu sais qu'ils sont sérieux, qu'ils sont ceci. Sinon, je veux dire que beaucoup d'associations, yani, même à statut islamique, et volent de l'argent et escroquent de l'argent, tournent de l'argent et comme ça. Je vous dis ça en connaissance de cause, nam, en connaissance de cause de gens qui ont travaillé dans les associations. Comme ça, islamique, et qui ont dit, quand j'y travaillais autrefois, je volais de l'argent. Je volais de l'argent. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. La zakat, ça rentre pas l'association dans la zakat. Sauf si l'association me dit, je connais des pauvres, et donne-moi de l'argent, bi-idhillah, je vais les faire donner aux pauvres, et que tu es sûr que ce sont des gens sérieux et tu leur confiance. Naam. Tfadlal.